Damien Mongeret, je vais vous parler de mon cursus que j'ai réalisé au sein du CNAM. Donc, j'ai intégré il y a 3 ans la filière installation, distribution, énergie et éclairage, spécialisée dans le génie électrique. Moi, je suis Damien, nouveau diplômé ingénieur du CNAM en formation électronique de puissance, réseau et motorisation. Quand j'ai intégré en fait ce diplôme, je sortais d'un BTS en électrotechnique et avant ça d'un bac pro en électrotechnique. Ayant réalisé mon BTS en apprentissage, je voulais continuer dans ce type de cursus et je m'attendais en arrivant au CNAM d'avoir un renfort technique de ce que j'avais pu apprendre avant et de toujours avoir cet aspect d'expérience par le biais de l'apprentissage. Ça s'avère être une très bonne formation. Toute la partie génie électrique est super complète. Elle nous donne vraiment tous les éléments, toutes les clés qui nous permettent derrière de nous adapter à toutes les situations. J'ai trouvé d'ailleurs que les formations étaient plus poussées vers le monde du travail. En fait, les enseignants nous préparent vraiment à ce qu'on va pouvoir rencontrer une fois sorti de l'école. On a un aspect un peu plus de maturité, c'est-à-dire qu'on va avoir un échange avec les professeurs un peu plus d'égal à égal. Ils ont bien conscience qu'on est des salariés. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que moi je n'ai pas d'un monde du monde de l'électrique. J'ai tout appris en arrivant au CNAM. On a eu un enseignant qui a dévoué beaucoup de son temps pour nous faire des cours de soutien. J'ai beaucoup travaillé chez moi, j'ai rattrapé mon retard et je me suis montré plutôt performant sur mes dernières années. Donc je suis plutôt fier aujourd'hui d'avoir réussi cette partie-là. En ce qui me concerne, je suis globalement toujours resté motivé parce que j'ai toujours aimé apprendre, toujours été curieux. Et à côté, j'ai toujours été investi dans les assos d'élèves, donc j'étais au BDE. Après, à côté, moi, j'ai fait le 4L Trophy. J'ai vraiment profité au maximum de ces 3 ans. D'un aspect personnel, moi j'ai toujours été intéressé par l'étude, comprendre les choses, et c'est ce que j'ai voulu faire durant mon apprentissage. Donc par le biais de mon entreprise, j'ai pu faire des études de chiffrage sur les data centers, donc en partie un peu plus industrielle. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai changé d'entreprise et je suis toujours dans l'étude de prix électrotechnique, mais sur un aspect tertiaire. J'avais envie d'apprendre plein de choses, d'être un peu touche à tout, jusqu'à avoir un pôle de compétences assez large. Je suis très content d'être arrivé là. Je remercie beaucoup Monsieur Michael Petit pour toute l'aide qu'il nous a apportée. Et une petite dédicace à Marie-Noël qui a toujours été avec nous, qui a toujours gardé un super contact entre les élèves et l'administration du CNAM. Concernant le mot de la fin, je dirais qui peut plus peut le moins. Ça va peut-être être pas forcément facile, mais allez-y, donnez-vous, essayez d'avoir un niveau à ce niveau-là, et peut-être qu'en entreprise on vous demandera ça, et qui peut plus peut le moins. Donc allez-y, faites-le.